Merci, Monsieur le Premier Président de la Cour. Nous venons au cours du déroulement de la procédure mettant aux prises l'auditeur militaire supérieur, ministère public et partie civile, contre le colonel Mike Mikombe Consort, assister à une scène non moins inquiétante. En effet, alors que, avec l'autorisation du président de séance, le ministère public était en train de poser des questions au prévenu Kabamba. Il s'était rendu compte que celui-ci n'était pas assisté, bien que le défenseur militaire qui avait pris en charge ce ministère avait acté leur comparution. Incident qui a paralysé la poursuite normale de l'instance parce qu'il était question de retrouver les défenseurs. Et partant, il ne s'agit ni plus ni moins que d'un trouble qui a empêché le déroulement normal de l'instance. Et ce comportement est prévu par les prescrits légaux des articles 233 et 234 Code judiciaire militaire. Ainsi libellé, le président de la police de l'audience. Les personnes qui assistent à l'audience sont sans armes, elles se tiennent à découvert dans le respect et le silence. Elles ne peuvent donner des signes d'approbation ou des désapprobations sous peine d'expulsion par le président. Si elles résistent à ces ordres, le président ordonne, quelle que soit leur qualité, leur arrestation et leur détention dans une maison d'arrêt ou des détentions pendant un temps qui ne peut excéder 48 heures. Les pressions verbales fait mention de l'ordre du président sur production de cet ordre. Les perturbateurs sont incarcérés. 234. Si les troubles ou les tumultes font obstacle, ce qui est le cas de l'espèce, au déroulement normal de l'audience, les perturbateurs, quels qu'ils soient, sont sur les champs, déclarés coupables de rébellion et punis de ses chefs de peine prévue par le code pénal militaire. Il en suit, Monsieur le Premier Président, que le comportement du défenseur agréé qui a perturbé le déroulement normal de la procédure devait être poursuivi sous les préventions prévues pour rébellion. Laquelle infraction est prévue à l'article 91 du Code pénal militaire, ainsi libellé, constitue une rébellion. Une toute attaque. Toute résistance avec violence et voie des faits commise par un militaire ou un individu embarqué ou employé par le ministère de la Défense envers les forces armées ou les agents de l'autorité publique. Et si la rébellion a lieu sans armes, il est puni de 5 à 10 ans de servitude pénale principale. Nous estimons, Monsieur le Premier Président, que c'est là la peine attachée à cette prévention qu'on qualifiera de rébellion, de manière tout à fait exceptionnelle par rapport aux prescrits de l'article 91 du Code pénal militaire. Ceci dit, Monsieur le Premier Président, la loi parle déclaré coupable sur les champs. Nous estimons ce qui nous concerne, il n'y a pas lieu à de longues procédures, que les greffiers attachés à votre juridiction prendront le soin de mentionner sur un procès verbal nos présentes réquisitions et par conséquence de quoi nos
pour l'instant, nous avons dit, Monsieur le Premier Président, et laissons aux prévenus perturbateurs le temps de se défendre. Ou de désapprobation sous peine d'expulsion par le président. Si elle résiste à ses ordres, le président ordonne, quelle que soit leur qualité, leur arrestation ou leur détention dans une maison d'arrêt ou de détention pendant un temps qui peut excéder 48 heures. Le procès verbal fait mention de l'ordre du président. Sur production de cet ordre, les perturbateurs sont incarcérés. Et l'article 234 vous ajoutez, si les troubles ou les tumultes font obstacle au déroulement normal de l'audience, les perturbateurs, quels qu'ils soient, sont sur le champ déclarés coupables de rébellion et punis de ces chefs des peines prévues par le code pénal militaire. Votre honneur, nous demandons votre honneur avant l'analyse des d'abord votre indulgence. Indulgence, votre honneur, qui est liée au fait que le ci-devant prévenu, votre honneur, vient de connaître un cas de force majeure consistant dans le fait que son fils venait d'être tamponné séance de mort. Et présentement, il est sorti, votre honneur, sans faire part de cet état des choses à la cour des séances pour amener son enfant à l'hôpital. Voilà pourquoi, votre honneur, les raisons qui l'ont poussé à quitter cette salle sans solliciter l'autorisation préalable de votre autorité. La preuve de force majeure. Votre honneur, comme vous le savez, en pareille occurrence, et comme il vient d'être appelé d'urgence pour retourner à la barre, votre honneur, nous ne sommes pas à mesure de vous présenter cette preuve, raison pour laquelle d'emblée, nous commençons par solliciter l'indulgence de la cour. Votre honneur, votre qualité vous place, la qualité du premier président, votre honneur, et non pas du juge de séance, votre qualité, votre honneur, vous oblige à faire montre toujours de clémence, puisque vous êtes un bon père de famille. Votre honneur, lorsque nous devons nous atteler à ces dispositions, votre honneur, vous comprendrez qu'elles ne peuvent être d'application en l'occurrence. Premièrement, votre honneur, l'article
233 sus évoqué ne peut pas faire droit de cité dans cette audience. Et quant à l'article 234, vous constaterez que les prévenus n'a pas créé des troubles pendant l'audience. Mais néanmoins, nous admettons que cela a paralysé dans une mesure, dans une grande mesure, le déroulement de cette audience, votre honneur. C'est pourquoi, votre honneur, vous ne serez pas obligé de faire application de cette disposition pour les condamnés du chef de rébellion, votre honneur. Nous sollicitons seulement l'indulgence de votre cour et l'indulgence également de l'organe de la loi, votre honneur. Et pour le déroulement normal de ces procès dans toute quiétude, votre honneur, nous demandons à ce que vous puissiez faire montre de votre clémence et que le procès, votre honneur, puisse continuer son déroulement normal. Et nous insistons sur le fait que pareil incident ne se reproduira plus dans le chef du prévenu Aimé Diamungu. Et nous osons espérer, votre honneur, que vous ne ferez pas droit à votre rigueur habituelle pour lui retirer, votre honneur, son agrément. Déjà, il est traumatisé du fait de l'accident qu'a connu son fils. Votre honneur, nous espérons que vous n'allez pas, par votre arrêt, les traumatiser encore davantage. Nous avons dit. Merci, votre honneur, de nous avoir accordé la parole. Époque qui pouvait appliquer à la lettre et à l'esprit. Aujourd'hui, ce droit pénal tient compte de l'humanité. Il a été appelé pour secourir son enfant qui a été tamponné. Se trouvant ici, il ne pouvait que se retirer et chercher à trouver une solution quant à ce. Il n'est pas parti très loin de la cour. Il était dans l'enceinte de la cour, c'est pourquoi vous avez vu maintenant les gardiens ou bien la police d'audience est parti vite le chercher et il est là par devant vous. Et au-delà de tout ça, votre honneur, il œuvre à deux à trois. Il y a un qui est venu, qui est parti se soulager, qui m'a sûrement avisé que je suis parti me soulager. Je ne savais pas la hauteur de son soulagement. Était-il un grand besoin? Était-il un petit besoin? Je m'imagine que c'est un grand besoin qui a fait en sorte qu'il puisse prendre tout son temps pour pouvoir vider ce qui le dérangeait. À ce jour, votre honneur, vous avez dit dans votre déposition, dans votre argumentaire, je l'ai dit, qu'il fallait même vous retirer la délégation, votre honneur. Réitérant la demande tout à l'heure de l'estimé confrère, si vous regardez par derrière vous, il est fait mention de ce que nous jugeons nos semblables. C'est une flagrance dans la flagrance. C'est pourquoi moi je vous demanderai, avec la main au cœur, des indulgences une fois de plus, en vertu du fait que le droit pénal tient compte de l'humanité. Un cas de force majeure, c'est un cas auquel on ne peut pas résister. Il n'est pas devenu fou. Par mon entremise, nous sollicitons nos indulgences à la cour pour qu'il soit indulgent ou bien clément par rapport à ce fait. Nous avons dit. Ce sont les demandes de la clémence de votre cour. Mais la deuxième, c'est sur le cas de l'article 233 et 234 de son application dans le cas d'espèce de ce premier président. Toute la section parle du pouvoir du président dans la salle d'audience. Parce que, en lisant très bien l'article 233, on se rend compte que c'est la cour elle-même, le président, qui a le pouvoir, la police d'audience, qui constate l'infraction d'une gesticulation, d'une parole, parce qu'en amont, on dit, les personnes qui assistent, elles ne peuvent donner des signes d'approbation ou de désapprobation sous peine d'expulsion, etc.
le signe d'approbation ou de désapprobation qui peut provoquer tumulte ou trouble. Ce signe d'approbation, je ne crois pas que la Cour l'a vu sur Maître Aimé. Ce signe de désapprobation, nous ne croyons pas que la Cour l'a vu sur Aimé. Donc, cette disposition n'est pas d'application. Alors, si la disposition n'est pas d'application, il ne reste plus que la première manche de notre argumentaire, celle de demander à la Cour de le regarder avec les yeux de père, d'un père qui peut être troublé à tout moment, même l'homme le plus circonspect possible devant une telle nouvelle ne peut que se comporter de la même manière. Et Monsieur le Premier Président, nous ne voudrions pas prendre la Cour pour exemple parce que on ne le fait jamais. Mais demain, ça peut être un autre confrère ici, peut-être tous les avocats, comme je l'imagine, les avocats de la défense peuvent s'absenter demain. Est-ce que la Cour va prendre la même décision ou elle va chercher à savoir pourquoi et peut-être leur obtenir une remise? Je ne sais pas comment. Donc, Monsieur le Premier Président, la première manche et la principale, c'est de regarder Maître Aimé avec les yeux de père et de ne pas lui en tenir rigueur, surtout qu'il est revenu à sa charge pour continuer et poursuivre à assister ses clients. Votre nom. Conformément aux dispositions des articles 14 de la Réunion
de la peine prévue à l'article 95 du Code pénal. Ayant la parole, les conseils reconnus dans leur objectif par la parole de Maître du barreau de Kassai, de Maître Ben Banza, du barreau de Kassai-Makété, ont le collectif par la bouche des conseils de cité, ont en toute instance sollicité d'abord l'indulgence de la Cour et au moyen de fonds. Ils invoquent une plaide que les dispositions de l'article 233 et suivant ne peuvent être appliquées au tribunal en espèce, car autre contrairement à cette disposition légale, le trouble doit être issu d'une personne se trouvant dans la salle de tous. La Cour dit que ce moyen n'est pas fondé, car est trouble tous, non seulement énumérés, non de manière limitative, mais tout ce qui empêche le déroulement normal de l'audience, comme dans l'espèce, la Cour ayant interrompu pour plusieurs fois le déroulement de cette audience et s'est mis à la recherche du prévenu. Ceci étant, la Cour constate que l'audience a été suspendue. Et partant, la suspension était due au fait, du prévenu Yamour, défenseur du juge. Que ceci, son fait, est une omission, le fait d'avoir quitté la salle d'audience sans s'en référer ni au conseil, ni à la cour, ni au greffe, est une inaction pour ne pas avoir assisté des séquilles. Ceci étant, la rébellion, le trouble sont constitués dans le chef du prévenu. Et la Cour la condamnera avec admission de circonstances atténuantes liées à son statut de délinquant puni. La Cour, conformément aux articles 230, 234, 95, les premiers du Code judiciaire militaire, les deux derniers du Code pénal militaire, déclarent le prévenu commissaire de police Yamour, défenseur militaire, dans ses troubles, coupable de trouble de normal de l'audience. Le condamne, avec admission de circonstances atténuantes, à une année de cette pénale principale, assortie de 5 ans de sursis. La Cour a ainsi jugé à l'audience publique de ce jour, à laquelle ont siégé le colonel magistrat de la magistrat de la Cour, le colonel Hossein Yamouka et Nawa, ainsi que le commissaire supérieur municipal de la police, Albert Loaya et Jenny Albert, tous juges assesseurs, avec le concours du monsieur Pouvoir, représenté de manière constante par le colonel magistrat Rachid Chemich Michel, auditeur militaire supérieur, et l'assistance du lieutenant-colonel Ilonga Damoiseau Camille, préfet du siège. La Cour vous informe de votre droit d'interjeter à quelconque décision dans les délais de 5 jours. Condamné, monsieur, de la protection de 5 ans. Cela veut dire quoi? Pendant les 5 années à dater de ce jour, si vous commettiez une autre infraction,
vous serez jugé pour ces meurtres. Si vous êtes, vous en êtes convaincu et condamné, vous purgerez outre la peine de votre nouvelle infraction un an de prison qui est dû à la condamnation actuelle. Puisque vous êtes condamné, vous êtes indigne pour continuer d'assister les militaires dans toutes les juridictions militaires. Expulsez-le de la salle.